Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Nous voici aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de mars. Donc j'ai respecté ma promesse, j'ai réussi à le faire. J'aimerais qu'on fasse un petit briefing, un petit récap vite fait. Mais après il y aura une vidéo plus tard quand j'aurai vraiment avec le retour tout ça des choses, vraiment tout analysé. Je vous ferai carrément une petite vidéo bonus complémentaire où on pourra voir ensemble qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît le moins. Voilà, j'avais quand même quelques petites choses à vous dire, donc je vais en profiter. Alors j'ai pris quelques notes pour vraiment m'en rappeler par rapport à la vidéo. Donc en fait, j'ai fait en tout un peu plus de 20 vidéos. Alors que je compte exactement, j'étais censé poster une vidéo du lundi au vendredi à 20h. Donc ça je l'ai respecté, mais je vous ai rajouté deux vidéos supplémentaires. Des vidéos qui ont apparu donc le samedi à 20h, des vidéos un petit peu en bonus, ce qui fait qu'en fin de compte sur le mois de mars j'ai fait en tout 22 vidéos au lieu de 20, donc j'ai respecté ce que j'avais dit. Alors j'ai fait, pour vous donner un petit ordre d'idée, parce que quand je fais des vidéos sur les fourmis on m'a dit ouais il y a trop de vidéos sur les fourmis, quand je fais des vidéos sur reptiles on me critique en disant toujours le même problème, qu'il n'y a pas assez de vidéos sur les fourmis. Alors j'ai fait 3 vidéos sur des animaux diverses. J'ai fait, là on partait sur la Damone par exemple, on partait sur les achatinas, des choses comme ça. J'ai fait 11 vidéos reptiles. Donc sur 20 vidéos, j'en ai fait 11 sur les reptiles. Donc déjà il y a un peu plus que la moyenne, rien qu'en reptiles. Sachant que sur les autres vidéos qui restent, il n'y a pas que des fourmis. Parce que j'ai fait 11 vidéos sur les reptiles, donc lézards, serpents, amphibiens, tout ce que vous voulez. J'ai fait 2 vidéos bonus, donc ça c'était les vidéos du samedi, une sur le putaclic et une sur une ouverture colis. Donc c'est une vidéo bonus mais en rapport avec les fourmis, je vous l'accorde. J'ai fait 5 vidéos sur les fourmis, voilà, 11 vidéos sur les reptiles, 5 sur les fourmis, mais on peut dire 6 à la limite sur les fourmis, étant donné que j'ai fait un samedi une vidéo bonus sur justement l'ouverture d'un colis par rapport à des nouvelles espèces de fourmis. Donc on va dire à la limite qu'il y a vraiment 6 vidéos fourmis. Et après j'ai fait la vidéo de fin, la 22e vidéo qui est tout simplement celle-là. Alors c'est un mois qui a été très mouvementé pour moi, très stressant aussi et qui m'a demandé énormément de travail. Alors déjà dans un premier temps, j'ai voulu tester plusieurs formats de vidéos différents, profiter du fait que le lendemain il y a une nouvelle vidéo pour essayer de rattraper si j'ai fait une connerie dans une vidéo qu'il ne fallait pas. J'ai eu beaucoup d'avis positifs, ça a plu à beaucoup de monde, je l'espère, en tout cas je l'ai vu dans les commentaires. J'ai eu aussi beaucoup d'avis négatifs sur certains points que je vais vous raconter. Alors je vais essayer de me justifier un petit peu, enfin de prendre ma défense quoi. Il faut savoir que j'ai eu, alors bon là ça a été très rare mais ça s'est dit quand même, j'ai fait des erreurs dans certaines vidéos au niveau des informations que je donnais. Et là il y a deux points vraiment particuliers. Il y a le fait que je donne vraiment des erreurs dans les vidéos, genre la vidéo avec l'Amidosaurus Kinji. Déjà je ne l'ai pas écrit correctement avec l'orthographe dans la vidéo, ça j'ai pas pu le rectifier du coup, j'étais comme un con. Là ça a été vraiment une erreur de ma part. Ensuite, par exemple, j'avais précisé qu'il venait d'Australie, mais il ne vient pas que d'Australie. Et en plus, l'espèce qu'on retrouve particulièrement en France, la plupart du temps, n'est même pas l'espèce australienne qui est beaucoup plus rare en captivité. Ensuite, il y a souvent, et ça je l'ai remarqué, méthode d'élevage différente confondue avec erreur. C'est-à-dire que quand je dis qu'une espèce a besoin de pas de forte chaleur, a besoin de 28-29 degrés, si le mec il me dit qu'il faut 30 ou qu'il faut 27 degrés et que j'ai fait une connerie, que j'ai dit une connerie dans la vidéo, là par exemple, c'est une méthode d'élevage différente. Pour moi, ce n'est pas une erreur. Quand je vois que le serpent se retrouve très très souvent au point chaud, en plus qu'il y a du 32 degrés et qu'on me sort dans les commentaires il faut 29 maximum, ou 28 maximum, non là je suis pas d'accord avec vous, ça ce ne sont pas des erreurs, ce sont des méthodes d'élevage différentes. C'est pour ça que je dis bien qu'il faut enfin tout n'est pas gravé dans le marbre comme on dit, chaque
spécimen a besoin de ses propres conditions aussi. C'est comme nous, hein. Il y a des personnes qui sont plus frileuses que d'autres. Il y a des personnes, voilà. Il y a une idée globale avec un certain taux d'hygrométrie, une certaine chaleur à avoir. Et ensuite, c'est à vous derrière d'observer vos animaux. Comme je dis souvent dans les vidéos, votre but, c'est de pouvoir observer aussi vos animaux. S'il est tout le temps constamment au point chaud, il a beau y avoir du 30-32 degrés, c'est qu'il y a un problème, c'est que votre animal demande forcément plus de chaleur. S'il est tout le temps au point froid, oui, excusez-moi, là par contre, c'est qu'il a trop chaud, il faut dire la vérité. Hein. Donc il y a vraiment méthode d'élevage différente, à ne pas confondre, hein. C'est comme, je le dis à chaque fois, élever des enfants par exemple. Tout le monde a sa façon d'élever ses propres enfants. Cela ne veut pas dire qu'il y en a qui sont totalement maltraités et d'autres qui seront ingénieurs, informaticiens, je ne sais pas quoi. Ah, je voulais voilà, répondre là-dessus. Donc, je ne me suis pas foutu de votre gueule, je pense pas, pendant ce mois de mars qui a été très très difficile pour moi. Mon objectif était de proposer des vidéos de qualité. Il y a eu des critiques au niveau des miniatures. Ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, ben, moi, ça me plaisait beaucoup personnellement. Ben, en fait, c'est pas compliqué. Sur ma chaîne YouTube, je fais des choses qui me plaisent, donc que j'ai envie de faire. J'ai pas forcément les mêmes goûts que 44 000 personnes derrière, ce qui est tout à fait normal. En fait, le truc, c'est que il y a deux méthodes chez les vidéastes sur YouTube. Il y a vraiment deux façons de faire. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont imposer un style qui emmerde tout le monde et qui se disent c'est comme ça, c'est pas autrement, ils viennent me regarder ou ils se cassent. Et après, il y a d'autres personnes qui vont essayer de s'adapter à leur communauté pour essayer déjà de leur faire le plus plaisir possible. Et le problème, c'est que je fais partie des gens en fait qui s'adaptent, qui essaient de s'adapter au maximum à leur communauté et qui derrière se restreint sur certains points. Alors, j'ai bien envie de vous imposer un style et que ça soit tout, que ça soit comme ça. Genre, entre guillemets, un genre de dictature sur la chaîne YouTube. Je pense pas que ça soit la meilleure solution, mais quelque part, je me dis, pourquoi pas imposer et on n'en a rien à foutre. C'est comme ça, c'est pas autrement. Parce qu'il faut savoir que ça me prend beaucoup de temps, beaucoup de stress de faire des vidéos. Et en plus, je fais des choses, si je vous propose un certain style dans une vidéo, c'est que c'est ce style-là qui m'a plu dans cette vidéo-là. Et en fait, c'est là le problème, c'est que ben, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Et ceux à qui ça n'a pas plu ont plus tendance à écrire des commentaires pour dire « Là, tu as fait de la merde, ça ne me plaît pas, ça c'est malaisant, etc. » Et moi, de mon côté, je me dis « Merde, alors j'ai fait ça pour essayer de leur faire plaisir, ça ne va pas. Quand je fais ça pour faire plaisir, ça ne va pas. » Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, mais à chaque fois systématiquement, que j'enlève un truc qui ne plaisait pas, et ben, il y a toujours quelque chose d'autre qui fait que ça ne vous plaît pas. Toujours. Je dis « vous », mais en fait, c'est une très grosse erreur. Parce que c'est toujours une minorité de la communauté. Quand je reçois peut-être 400 messages en commentaire dans la vidéo et que sur 400 messages, j'en ai une dizaine à qui ça n'a pas plu, ben moi, je trouve ça énorme et je vois les 10 messages qui ne me vont pas, quoi. Alors, il y a ceux qui critiquent et qui ont raison. Genre pour la miniature, moi, je ne m'en rendais pas compte. Parce que quand on fait un boulot, c'est une vidéo où je ne vais faire que parler, par exemple, ça va critiquer, quoi. Bref. Quand je fais une vidéo, en fait, je fais des choses qui me plaisent sur le moment. Mais avec du recul, on ne sait pas vraiment si c'est si bien que ça ou pas ce qu'on a fait. C'est comme quand on dessine un dessin, on a toujours l'impression que le dessin est magnifique. Quand on le revoit un mois plus tard, on se rend compte qu'on a fait de la grosse merde. Excusez-moi du terme. Et en fait, le truc dans l'histoire, c'est que les miniatures, ouais, c'est vrai que je trouvais que les têtes étaient beaucoup trop grosses par rapport à la miniature. C'était un style qui me plaisait. Je croyais que j'avais trouvé mon style, mais en fait, pas du tout. Alors déjà, j'ai revu la plupart des miniatures de la chaîne YouTube, des dernières vidéos qui sont sorties, tout ça. J'ai retravaillé les miniatures. Peut-être que je compte les éclaircir un peu plus, suivant les thèmes, tout ça. Mais je pense que je vais rester dans des miniatures comme ça, où elles ne sont pas trop extravagantes, en espérant que ça vous plaise. Mais là, pareil, je ne vais pas à chaque fois rechanger mon style, parce qu'il y en a 10 sur 8000 qui ont posté un commentaire qui n'allait pas. Donc voilà, il y a ce côté-là. Mais par exemple, j'ai pris conscience, j'ai pris connaissance de ces commentaires-là et j'ai fait en sorte de rectifier le tir. Donc il y avait le changement de miniature. Ensuite, les vidéos au niveau du montage. Alors là, pareil, il y a deux écoles. Quand je demande à des potes et tout d'être vraiment honnête et de me dire ce qu'ils en pensent, ils kiffent, ils trouvent ça trop délire, ils disent que ça change
qu'on retrouve pas ça sur YouTube et que justement c'est pas mal. Et puis au pire, c'est des intros de 20 secondes, de 30 secondes, ça se passe quoi. Ou ça se passe 5 secondes dans une vidéo, donc c'est pas grave. Alors moi je me suis dit, bah, au pire c'est un petit plus. Et puis ceux que ça plaise pas, bah, c'est pas grave puisqu'il y a toujours le même contenu avec énormément d'informations dans la vidéo. Et en fait, bah, pareil, je reçois des commentaires. J'avais fait une ou deux intros pendant les 20 vidéos qui n'ont pas du tout plu, comme celle de Star Wars par exemple, qui n'a pas plu à certaines personnes. En fait, c'est une partie de moi que j'ai envie de montrer dans mes vidéos. C'est-à-dire que je ne suis pas toujours calme, des fois je suis un peu foufou, des fois je pète un câble dans ma tête, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est un peu un plaisir personnel parce que je suis un grand fan de Star Wars, je suis un grand fan de Jurassic Park, je suis un grand fan de Retour vers le futur, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux. J'ai vraiment envie de, en fait, de partager des petits moments de moi, que vous me connaissiez un peu plus qu'en tant que vidéaste sur YouTube et que vous vous dites « Ah mais s'il montre ça, c'est qu'il doit kiffer, c'est qu'il doit aimer ce genre de choses, est-ce qu'il aime les mangas ?» Non, en fait, vous connaissez moi sur YouTube et plus ou moins mon élevage de reptiles. En plus, je vous montre même pas tous les animaux que j'ai. Je vous montre qu'une partie à chaque fois. Il y a des animaux que vous n'êtes même pas encore au courant parce que j'aime garder des surprises, des choses comme ça. Et c'est vrai que vous croyez me connaître parce que vous voyez un vidéaste en train de faire des vidéos sur YouTube, mais ça ne veut pas dire que derrière vous connaissez pas vraiment sur ma vie privée. Vous savez qui est ma femme parce que vous pouvez voir ses vidéos sur sa chaîne YouTube et on travaille de plus en plus ensemble sur sa chaîne YouTube pour certaines vidéos. Mais derrière, j'aimerais que ma communauté me connaisse vraiment un peu plus. Et donc je suis parti sur des trucs comme ça que je referai plus malheureusement. Et je vais faire des trucs beaucoup plus simples. Mais pareil, on va me critiquer en me disant que c'est pas bon. Donc c'est pour ça que quelque part je comprends les vidéastes qui veulent imposer un style, c'est comme ça, c'est pas autrement, et on emmerde tout le monde et qui font plus gaffe aux critiques et qui s'en foutent quoi. On est obligé de partir sur un truc comme ça parce que YouTube, la critique est hyper facile et vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune pitié quoi. Ça veut dire que le mec est chez lui, il fait sa petite vidéo, il demande rien à personne, il emmerde personne, il insulte personne et puis derrière il s'en prend plein la gueule. Voilà, là vous pouvez appeler ça un petit coup de gueule, ouais. J'assume, c'est un petit coup de gueule à la Snake Reptile. Alors, projet de vidéo spéciale, téléphone aux abonnés. Ah oui, j'ai un projet de vidéo où j'aimerais vous appeler, tout simplement. Donc tous ceux qui veulent que je les appelle, il faudra qu'ils soient disponibles un samedi, de préférence un samedi matin, que leur téléphone soit allumé. Mettez tous vos numéros de téléphone, si vous voulez que je vous appelle, en message privé Facebook. Si vous n'avez pas Facebook, créez un compte Facebook, parce que mettez pas votre numéro de téléphone dans la description de cette vidéo, hein. Que ça soit clair. Faites-le vraiment en message privé sur Facebook. Il me faut votre numéro de téléphone, il me faut votre prénom, il me faut votre sexe, fille ou garçon, et j'aimerais aussi savoir votre âge. Tout simplement, vous me donnez ces quatre informations-là en message privé sur Facebook. Je vais noter quelques numéros de téléphone. Je vous appellerai en tournage vidéo et on tapera des petits délires ensemble. Et ça sera par exemple, par contre, une vidéo bonus. Je ne la mettrai pas à la place d'une vidéo du vendredi par exemple. Mais j'avais vraiment envie de faire ça pour me sentir encore plus proche de vous et taper quelques petits délires, pourquoi pas. Par contre, je ne vous dis pas quand je vous appellerai. Ça sera probablement un samedi matin ou un samedi après-midi ou un dimanche. Mais je ne vous dirai pas quand exactement je vous appellerai. Ça veut dire que je peux vous appeler dans 3 semaines ou dans 1 mois. Vous savez que je fais mes vidéos longtemps à l'avance pour être sûr d'avoir aucun retard et pour pouvoir m'organiser. Donc voilà, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas d'appel au bout d'un mois. Par contre, ne vous étonnez pas aussi si vous n'avez jamais d'appel, parce que je ne peux pas me permettre peut-être d'appeler tout le monde. Ça dépendra du nombre de numéros qui tombent. Si vous êtes OK pour ce genre de vidéo, vous pouvez toujours me dire dans la description de cette vidéo si ce style-là vous plaît, quoi. J'ai un compte Instagram, alors je ne suis pas très actif dessus, je vais essayer de l'être vraiment beaucoup, de plus en plus, et de régulièrement filmer des petits trucs, de faire du petit tournage. Donc il y aura maintenant un logo en fin de vidéo qui s'affichera Instagram, voilà, pour dire ça y est, je suis sur Instagram. Donc tous ceux qui veulent me suivre sur Instagram, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je vais m'y habituer, je vais essayer de m'y tenir. Si vous voulez me voir sur Instagram, il n'y a pas de problème. En bref, voilà pour cette vidéo spéciale fin, fermeture, donc une vidéo par jour.
Je fais un petit rappel maintenant pour vous dire comment ça va se passer pour tous ceux qui se sont abonnés ce mois-ci et qui ne savent pas par la suite comment ça va se passer. Alors je vais faire comme je faisais avant le mois de mars. Ça veut dire que je fais une vidéo le mercredi à 14h sur l'élevage des fourmis en captivité, où je présente certaines espèces que je possède ou non, et je vous fais un suivi de mes colonies de fourmis, du matériel, etc. Et il y a une vidéo le vendredi à 20h. Sur la vidéo du vendredi à 20h, nous aurons tout ce qui est terrariophilie, donc les reptiles, les amphibiens, les lézards, toutes ces choses-là se retrouvent le vendredi à 20h sur ma chaîne YouTube. Petite information aussi, je vous ai dit depuis déjà plusieurs mois que j'étais en train de réaliser des projets avec d'autres vidéastes sur YouTube, Team Debit, Mémo Dentarien, ainsi que Popcorn Studio. On a enfin réussi à mettre en place une nouvelle chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube s'appelle Web Primate et elle aura pour vraiment pour objectif une vidéo par semaine. Donc on se relaye en fait, ce qui fait que chacun d'entre nous va poster une vidéo dans le mois. Mais à vous, ça vous fera une vidéo par semaine. On va essayer de faire connaître certains vidéastes qui aient beaucoup beaucoup d'abonnés ou vraiment pas du tout d'abonnés ou qui viennent juste d'ouvrir leur chaîne. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer qu'il y a d'autres vidéastes sur YouTube et d'aller les voir. Donc c'est une chaîne YouTube, présentation de chaîne YouTube. Voilà, donc si vous voulez me voir sur une autre chaîne YouTube, si vous voulez voir mes copains sur une autre chaîne YouTube ou que vous voulez découvrir des nouvelles chaînes YouTube, je vous conseille d'aller voir Web Primate. Ça ne changera rien à Snake Reptile, mais pour vous, ça peut être un plus. Voilà. Donc, il n'y aura pas de Web Primate sur Snake Reptile. Mais par contre, vous pouvez aller voir Snake Reptile sur Web Primate. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a Facebook, Instagram, si je ne me trompe pas, et Twitter. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, ciao ciao !